qui explose, hein. Attention, l'explosion. Viens, viens, viens à l'intérieur. Non, viens. Qu'il y a une torche là-haut. Amenez-moi une torche ici. C'est des Gabonais. C'est des Gabonais. J'ai reconnu les voix. Mettez le feu. Mais ils n'avaient pas l'essence. Ils nous ont poussé avec la fille là. Pourquoi ils ont poussé les gens ici? Quoi? Poussé? On nous a minotés là-bas, on nous a fait sortir dehors. On nous a mis un piétinier. Balancer, prends l'eau. Non, l'instincteur, hein? On va dire, essaie, mais c'est là. Avance vers la flamme, non. Avance vers la flamme. Avance là-bas. Ouais, ça dure pas. Les mercenaires sont d'abord venus à 4h. Comme on avait une population avec nous qui veillait avec nous et les gars sont retournés, ils sont venus à 5h30. Mais ils ont tout ramassé, ils ont tout pris. J'ai supporté au moins pendant 15 minutes tout ça, je ne voyais rien, c'était de la fumée, de la lacrymogène. Je suis sorti par ici. Je suis sorti par le secrétaire, par cette porte. Je l'avais plus en tête. Et je ne voyais rien, c'était dans le noir. C'était complètement dans le noir, je suis sorti par ici. En tout cas, lorsque je marchais, j'ai touché le mur. Vraiment, là, bon, j'ai un peu perdu. Et j'ai resté ça comme un peu, j'ai le plan de tête. Et je poussais toujours de voix. En descendant, les autres m'ont rapporté qu'on voulait les verser de l'essence pour finir avec eux. Oui. Mais eux n'avaient pas d'essence. Ils leur ont dit, allons-y. Ils ont fait monter dans le véhicule. Après, il y a un
Je crois que c'était le Gabonais qui a dit n'allons pas jusqu'à là. Et ils leur ont demandé de se retourner et courir. Ils les ont accompagnés jusque là et ils ont continué à courir plus bas. Et quelques heures après, c'est là où les gens sont sortis de gauche à droite. On a essayé d'arrêter le feu dans le bâtiment. Tout était saccagé. Donc il y avait des étrangers dans le groupe. Il y avait des étrangers. Ils parlaient une langue, je ne connais pas. Il y avait un Gabonais qui guidait, qui était en train de dire ne faites pas la force, parce qu'on a l'ordre de tirer. C'est ce qu'ils étaient en train de dire, ne faites pas la force, on a l'ordre de tirer. Avec le chien, voilà. Oui, c'est un capot.